bah, je profite d'être en vacances là dans le Finistère pour taquiner un peu le bar et le macro. Je pêche essentiellement au jig et puis au leurre souple. Les conditions sont pas trop propices là pour le leurre de surface pour l'instant. Il fait pas si chaud que ça. Vous voyez là, on est le 16 juillet, je crois aujourd'hui. J'ai deux polaires et puis un anorak pour la pluie là, parce que de temps en temps il tombe quand même des bonnes averses. Donc voilà, l'heure de surface, ça c'est pas l'éclate. J'essaye un peu, hein, j'ai loupé une attaque, mais c'est pas comme ça que j'ai le plus de contact. Donc je pêche au leurre souple et au jig. Je prends pas mal de macros, je vais pas tous vous les mettre dans la vidéo. Je prends quelques bars aussi, là j'en ai pris un beau d'emblée, mais je filmais pas, c'est dommage. J'étais parti un peu en repérage, c'était la première session. Et je voulais voir un peu comment était la mer, un peu où se tenaient les poissons, s'il y avait des poissons en bordure, s'il fallait plutôt pêcher les veines de courant au large. J'ai pris ce beau poisson et voilà, je vous le mets en photo parce que c'était vraiment un beau, il m'a offert un beau combat. J'ai eu du mal à le sortir parce qu'il y avait pas mal de houle ce jour-là. Donc c'est un chouette souvenir. Sinon, ouais, c'est essentiellement du macro. J'arrive à prendre quelques barres par-ci par-là, mais c'est pas concluant pour l'instant. Il y a une grosse dominante macro là dans la baie pour l'instant. Voilà, bon bah on verra bien. Si d'autres vidéos mer sortent, sinon je me remettrai au brochet, là je pense dès le mois d'août, voilà, en canal et puis en lac. Bon, je vous laisse avec les images. J'ai gardé quelques poissons parce que voilà, c'est chouette aussi de partager de temps en temps sa pêche avec sa famille. Manger du poisson frais comme ça, c'est plutôt, et qu'on a pêché soi-même, voilà, et qu'on prépare, c'est plutôt chouette. Voilà, en restant raisonnable, hein, faut pas pêcher plus que nécessaire, mais de temps en temps, prélever plus que nécessaire, je veux dire, mais de temps en temps, c'est bien de ramener un poisson, je trouve, à la maison pour le déguster. Voilà, bah je vous laisse avec ces images, et puis bel été à tous. Salut! Ça c'est un macro, je pense. Ouais, c'est sûrement un macro. Chouette. Allez, à la vitesse que je le ramène. J'ai tapé loin. Ah, il y a beaucoup de têtes. Hein. Et macro. Allez, viens, Pépère. Beau macro. Hop là. J'en ai encore un. Ah, il s'est décroché. Ah non, il est encore là. Il arrive. Il est beau celui-là. Il se bat bien. Hop là. Il est encore plus gros.
Attends, pépère. Attends, pépère. Attends, pépère. Attends. Un bébé, il va repartir. Youp là. Allez, il est bas. Vous êtes forcément là. C'est pour ça que ça ne mord plus. Tu me pourchasses hein, le phoque là. Allez, montre-toi. T'es où? Je viens faire un coucou aux abonnés là, de la chaîne Au fil de l'eau. T'arrives après à la bataille, hein? Non, il y a encore plein de poissons là. Des maquereaux qui veulent, bah ils sont là les maquereaux. Mais ceux-là, ils vont être pour moi. Allez, t'es où? Ah bah il est là, regardez. Coucou! Salut toi! Et il a peut-être senti le maquereau sans déconner. Il a peut-être senti le maquereau. Salut. Eh ouais. Ouais. Moi sur la caméra, il est vraiment proche de moi. Sur la caméra, il va y avoir un effet un peu de distance, mais là, il est à quoi? Il était à 20 mètres de moi là. Je sais pas s'il va s'approcher encore. Je vais récupérer mes leurres et je vais bouger parce que là ça sert à rien. Du coup, quand il y a un bestiau comme ça sur zone, et ouais, il est là. Coucou. Ça va, petit père? T'es trop beau. T'es trop beau. Je te laisse pas les maquereaux, hein, je te préviens. Ils sont pour moi. Il est là en surface. Il est là en surface. Eh non, il est derrière moi. Salut.
l'époque. Ouais. Moi, je vais bouger parce que là, ça sert à rien de rester sur la zone avec lui.